Salut Noum. Salut, salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Avec grand plaisir. Alors moi, je suis un producteur de musique suisse. Je fais partie de Big Fame Records, donc c'est une maison de disques où en fait il y a plein d'artistes. Et puis je collabore avec beaucoup de ces artistes, mais j'aime aussi faire mes propres compositions, chanter sur mes compos. Donc voilà, je suis un peu touche à tout, j'aime, donc c'est en lien avec la musique. Et d'où vient ton nom d'artiste ? Alors mon nom d'artiste, c'est Noum, en lien avec la lune, la nuit. Il y a un petit aspect un peu mystérieux, magique, mais il y a aussi l'aspect du rêve quand c'est la nuit. Et aujourd'hui, moi, j'ai un rêve qui devient réalité. Ça veut dire que je partage ma musique dans le monde entier grâce aux outils qu'on a maintenant. Et donc, ça fait super plaisir. Et quand est-ce que tu as commencé la musique ? J'ai commencé la musique il y a plus de 10 ans maintenant. Donc en fait, j'ai commencé en créant une association sous forme de studio d'enregistrement où là, on a fait un peu une grande partie de notre expérience. Donc c'est passé par de la production de CD en studio d'enregistrement, du management d'artistes, mais aussi simplement de l'interview. D'ailleurs, on avait fait l'interview de Big Flo et Oli avant qu'ils soient connus. Enfin voilà, on était très actifs. Et puis ça m'a permis de faire un peu mes armes. Et puis à partir de là, j'ai fait une formation pour un peu valider ce que j'avais appris, qui était une formation de manager socioculturel dans le domaine des musiques actuelles. Et puis à partir de là est né Big Fame Records, donc un grand label que j'ai créé avec mon associé et qui nous a amené à produire beaucoup d'artistes, mais aussi qui m'a donné l'envie en fait de créer mon propre projet. Un projet qui me ressemble, puis un projet aussi où tout le monde participe. Et aujourd'hui, ce projet est concret puisque, comme je l'ai dit avant, je sors chaque 2 semaines une nouvelle musique. Et dans quel univers artistique tu te définis ? Alors, j'ai pas vraiment envie de me définir dans un univers spécifique, mais au-delà de ça, pour t'expliquer un peu plus comment moi je crée ma musique, c'est que déjà c'est en lien avec mon état émotionnel, c'est en lien avec mes influences quotidiennes, etc. Je vois vraiment ma musique comme une sorte d'album photo où chaque morceau a son histoire déjà. Et puis après, si je devais vraiment le définir, en fait, ce serait plutôt un mélange de genres, puisque j'aime amener les artistes à chanter sur d'autres genres musicaux qu'ils en ont l'habitude. J'aime mélanger des sonorités africaines à des rythmiques plus modernes. J'aime ajouter des éléments plus organiques et acoustiques. J'aime beaucoup le mélange, en fait. Et tu sors un album Dreams and Reality. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, depuis le 1er janvier, j'ai sorti un morceau toutes les 2 semaines. Dans ces morceaux, il y a vraiment beaucoup de mélanges de sonorités. Et puis, j'ai collaboré avec autant des musiciens autour du globe que aussi des chanteurs d'Afrique du Sud. J'ai travaillé aussi avec des chanteurs et des chanteuses suisses. Et puis voilà, pour moi, c'était important de pouvoir faire ce grand mélange parce que du coup, c'est aussi ma touche, mon identité. J'aime ce mélange-là. À partir de septembre, je vais partir autour du monde, si c'est possible, pour produire de la musique avec autant des musiciens que des chanteuses et des chanteurs. Parce que moi, c'est ça aussi, c'est que j'aime découvrir des voix particulières. Et je me réjouis de cette aventure pour aller au contact des gens et pouvoir vraiment échanger, collaborer. C'est quelque chose qui me botte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un featuring pour toi ? Donc pour moi, avant tout, un featuring, c'est deux personnes qui ont très envie de collaborer. Et puis après, il y a une part aussi un peu de magie là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'aime, c'est que quand je collabore avec quelqu'un, on vient pas forcément du même milieu, on n'est pas forcément dans le même domaine musical, mais finalement, on se met à créer quelque chose ensemble. Et ça donne souvent des choses surprenantes, mais aussi magnifiques. Donc c'est agréable. Et puis je dirais vraiment une envie, une énergie positive, beaucoup d'amour. Et je pense que ça le fait. Et comment est-ce que tu vois la suite ? Est-ce que tu as des projets ? J'ai plein de projets. Alors un de mes projets, ça va être de pouvoir faire plus de live, de vraiment aller à la rencontre des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc comme je l'ai dit, je vais le faire aussi durant le voyage musical que je me suis prévu. Au-delà de ça, j'ai sorti un premier projet qui était pas mal anglophone avec beaucoup de sonorités différentes. Et puis là, j'avais envie de produire aussi des morceaux qui vont vous faire rire, danser et aussi en français. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais il y a beaucoup de singles qui arrivent pour cet été et je pense que ça va en surprendre plus d'un.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, etc. Mais on peut aussi me retrouver sur YouTube, où là, en fait, je vous propose aussi de découvrir des vidéoclips. Voilà, enfin, je suis vraiment sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je suis même sur SoundCloud. Et j'ai aussi un site internet, noom-music.com, où là, vous retrouvez aussi tout ce qui est contact, mais aussi ma musique, mes vidéos, mon univers. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça et à me faire un retour si le cœur vous en dit.